Nous avons choisi ce dimanche de partir sur le département de la Haute-Garonne et le département de l'Ariège. Nous allons tourner sur plusieurs rivières à la recherche de belles truites sauvages, du moins nous l'espérons. Tellement échaudés par notre ouverture sur les gaves où nous n'avons fait que de l'arc-en-ciel, nous avons cette fois-ci un grand espoir de voir autre chose. Le premier spot que nous avons choisi ne nous donnera vraiment pas satisfaction. Nous décidons donc de partir ailleurs. Et là, tout va vite s'accélérer. Notre expert du leurre, José, va s'en donner à cœur joie. Il tient ici une très belle truite. On peut voir au niveau du sillon de la canne le coup de tête que cette belle mouchetée donne et la sensation qu'il peut éprouver. Pêche avec des leurres montés sur des hameçons simples, afin de baigner le moins possible d'âme farine. Et quel bonheur de la remettre à l'eau. Totalement inarrêtable, il touchera une seconde belle truite, mais malheureusement, un arbre couché au milieu de la rivière va lui enlever. Toutefois, il ne se décourage pas. Et bing, une troisième dans la foulée. Et cette fois-ci, elle sera dans l'épuisette avant de repartir et regagner son milieu. On continue notre petit tour et on change de nouveau de spot. Et oui, nous avons décidé de tourner aujourd'hui. Au niveau du toc, très peu de touches, si ce n'est aucune touche. Nous sommes bien contents d'avoir opté José et moi pour le leurre. Mais petit papa et pépé persistent et insistent à leur technique préférée, à savoir le toc. José continue son festival, il en touche une belle, en plein milieu de la rivière. Mais malheureusement, elle va se décrocher au bord, juste à portée d'épuisette. Mieux la rivière, ouais. C'est 2 bons, 3 bons, et après décroche au bord. Bon, mais là, il faut que tu ailles de l'autre côté. Avant. Non, arrête de tirer. Allez là. Je l'ai touché en plein jus, au plein milieu du salat. Bah,
J'ai senti de suite deux chandelles, une troisième, bien tenue, bien tendue, parce que c'est la première fois que je pêchais avec des hameçons sans émerillon. Après, José, mon poteau, est arrivé et me l'a épuiseté. Putain! Ah ouais, ça! Ouais. Ah ouais! Ah, parce que l'eau est froide, donc on pourrait bien pêcher. C'est une belle sauvage. Pas de soucis. C'est une belle sauvage. Pas de soucis. On a un endroit qu'on affectionne plus vraiment particulièrement, un endroit qui nous a habitués à des souches de Garonne, et en discutant avec des pêcheurs qu'on a croisés, ils nous ont dit que cette souche était présente sur le parcours. Donc ça nous laisse bon espoir de nous en montrer une, malgré que les conditions sont pas optimales. On a un assez fort débit quand même. Et on a choisi donc le leurre plutôt que le toc, il y a que Fifi qui a un toc. Et on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, on est content de se retrouver ici, dans ce cadre qu'on affectionne énormément. On a Pépé au leurre, alors là c'est exceptionnel parce que Pépé préfère le toc plutôt que le leurre. Voilà, cette Garonne qu'on a tant aimé, qu'on aimera toujours. Elle fait partie de nos gènes, nous, Toulousains. Garonne rendue difficile depuis les crues de juin 2013, mais qu'on affectionne. Ainsi s'achève notre journée. Quelques beaux poissons touchés, on n'a pas à se plaindre sous un joli soleil de printemps. Nous sommes heureux du temps que nous avons passé au bord de la rivière et des instants partagés ensemble. Vivement la semaine prochaine pour une nouvelle sortie.